Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on est où? On est actuellement perdu dans la pampa. Non, pas vraiment. En fait, je suis allé récupérer au sein d'un grand camp de parjure un cœur qui était du coup corrompu. Il faut que je le ramène, que je le purifie, qu'ensuite je le ramène à la tombe du chevalier à qui appartient le cœur pour le remettre là-bas. Je ne sais même plus la finalité de la quête en fait. Mais ça avait un lien avec le fantôme qu'il y avait au départ. Voilà. Et ensuite, peut-être que j'obtiendrai un item sympathique. On verra bien. Allez, c'est parti. Alors. Prenez place. Mettez-vous bien comme il faut. Profitez. Franchement, il n'y a que ça à faire. Laissez-vous porter par ma douce voix et mes cris de de corbeau là que je fais là quand j'ai peur. Un conseil, vous n'en dormez pas sur mes vidéos hein, parce que je peux très bien vous réveiller à 3h du matin à l'épisode 124, je dis n'importe quoi, où je pousse un cri du corbeau gigantesque parce que bah, on m'attaque dans mon dos. Ça m'est arrivé il y a encore un ou deux épisodes là avec une sépulture d'un drogue que j'avais. Je croyais que c'était un hôtel, j'avais pas compris que c'était une sépulture. Ok, donc je peux le purifier. Voilà. Et donc, du coup, maintenant je peux lui remettre. Oh, il y a des plantes. Bonjour. Ah, il faut juste que je reparle. Bonjour, Daniela. Mais hé hey, J'ai même pas pu parler. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Cuirasse d'élite du chevalier ensorcelé. Une armure d'épaulette. Cuirasse d'élite du chevalier ensorcelé d'élite. Des gantelets. Ah merde. Le casque. Et j'ai fini la quête. Et j'ai des listes que j'ai récupérées d'ailleurs. Hop. Ah, l'épisode il commence tellement bien. Alors, on va découvrir un petit peu ce que ça nous fait. Non, c'est dans tenue. On va remonter tout en haut. Allez. Augmente ta compétence d'armure lourde de 25 points. Donc en gros, je pourrais dégager ça et mettre ça à la place. Ouais, je pourrais vraiment le faire. Ensuite, botte d'ébonite. Augmente votre vigueur de 70 points. Et là, la vigueur se régénère 30% plus vite. Je crois que pour moi, le mieux, c'est la vigueur qui se régénère 30% plus vite. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un collier, je crois, qui fait ça. Ou. Non, c'est pas une. Si, c'est un anneau. Attendez, je me souviens plus. Voilà. Vaut mieux que je garde ça, en fait. Casque d'ébonite. Augmente la résistance à la magie de 22%. Donc là, j'ai fait l'armure, j'ai fait les bottes. Et j'ai fait le casque. Il me manque les gants. Sorte de guérison qui coûte moins 25%. Bah franchement. En plus ça pèse pas lourd. Je suis refait. Donc ce qu'on va faire. Ordre des capitaines du chevalier de la crypte. Armure, armure de fer du chevalier ensorcelé. Casque de fer. What the fuck. Ordre des capitaines du chevalier. Oui, alors, je dis pas c'est sympa tout ça, mais non, parce que je viens de récupérer, ça sert à rien que je prenne ça en fait. Pour être honnête. Objet, livre. Alors, il y avait des ordres et des notes, je crois. Il va falloir la retrouver dans tout ça, hein, putain. Il va falloir que je fasse ce tri aussi. J'ai même pas lu les deux précédents livres de Thoron. Aucun des deux qui m'apprend quelque chose en tout cas. Nous avons reçu des rapports disant que les sorcières du Beldama ont refait surface à la crevasse. Je fais appel à tous les chevaliers capables et volontaires pour purger ces terres de sorcières, de strix et de crevassés.
Souvenez-vous de la mort de notre frère d'armes Simon Rodane pour l'ordre de la crypte et pour tout morne homme. Ok, donc ça c'était les ordres du capitaine. Donc c'était en fait, d'accord, j'avais deux fois les ordres du capitaine, ok. C'était pas de notes différentes. Donc on va à la ferme de la toundra. Et ces items-là, je vais les poser dans le coffre enfin, dans l'étagère en bibliothèque qu'il y a en bas de la ferme. Parce qu'ils sont suffisamment puissants pour mériter d'être là-dedans. Ah, cette fois-ci, elle me prend pas la tête. C'est bon, déjà. Tu es là? Ah, mais elle est dans en même temps. J'ai trouvé quelque chose pour toi. Tu traverses une mauvaise passe, ça devrait te... Tu es de retour! Des bottes usées. Prends soin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de bottes usées, toi? Mais... Alors, tenue. Voilà. Donc ça, par contre, je vais le garder. Parce que j'aurai moins de santé, mais plus d'armure. Ça, je vais le déposer. Ok. Voilà. Potion. Voilà, au niveau des gemmes. Ensuite, on va déposer plein de babioles là-dedans. On va pouvoir déposer les arcs du coup. On va en garder un seul, genre celui-là. Non, on va déposer l'arc du rossignol en fait. Quoique. Quoique, quoique. On va déposer ça, ouais. Ça, c'est un objet de quête, le grand bâton d'ensorcellement. À quel moment? Bon, ça, je vais le poser. Marteau de verre, pareil. Masse d'ébonite, pareil. Bon bah on va aller poser 2-3 babioles. Donc on avait dit celui-là. On va garder le reste. Et en tenue par contre. Bon ça je peux pas forcément. Ah j'ai pas posé là-dedans tout ce que j'avais à poser. Oui. Pourquoi elle est cachée derrière elle? Voilà. Voilà. Bon, ça, on va poser ça là. Ça, on ira le poser en bas. En bas aussi, on va les poser. Ça, pareil. On peut poser ça là, ça aussi. Donc, si je mets ça, je peux augmenter les armes et armures de 20%, 32%, 49%. Et encore, je crois pas que j'ai de casque là. Il me faut un casque similaire, mais je crois pas que j'en ai.
Donc j'avais dit en tenue, faut que je pose des trucs. Bah ça on va le poser du coup. Ça je le pose. Ça je le pose. Mais ça c'est des gantelets de cuir de forgeage minimes. C'est-à-dire qu'il y a mieux encore. Oh là là, c'est tellement abusé. Gantelet orc d'archerie extrême. Mais j'ai mieux que ça, non? Non, c'est vraiment des gantelets orc d'archerie extrême que j'avais? Ok. Allez, on va remonter. On va aller à la forge. Je peux vous aider? Non. Tu me vois, toi, maintenant. Ok, alors. Objet, tenue. Donc on va mettre notre tablier de forgeron arcanique. Nos gantelets de cuir. Notre collier. Voilà. Et à côté de ça, du coup, on va voir pour l'armure en ébonite. C'est pas là que je dois l'améliorer, je crois. T'es là. Elle est où? Là. Il me faut quoi? De l'ébonite raffinée. Il se trouve que j'en ai. Je vais pas utiliser de potion pour le coup. Contre. Ouais, il y avait de quoi faire, hein, putain. Alors, divers, on va déposer toutes les bonites raffinées qui nous restent. Voilà. Et donc, dans les objets tenus, on va se remettre notre petite amulette de goldure. Bah du coup, il n'y a pas trop d'hésitation. Hein. On va mettre ça. Puis on va mettre... Okay, j'ai plein de trucs en parfait, c'est trop cool. On va mettre notre couronne de l'hiver d'Oemer. D'ailleurs, on peut pas l'améliorer, la couronne de l'hiver d'Oemer, faut que je vérifie. Les gantelets d'Aedra. Et je crois que c'est bon. 472 d'armure, les amis. 472 d'armure. Ça devient du grand n'importe quoi. Tenue. Et on va déposer du coup notre armure d'ébonite. On sera sans doute moins classe d'ailleurs, faites voir. Ouais, on est un peu moins classe, on est plus dans le style Dwemer du coup. Ce qu'il faut que je vérifie par contre, c'est effectivement... Ah d'accord, elle est en train de s'attaquer au mannequin. Mais j'ai cru que la fille s'était retournée contre tout le monde. Je crois pas que la couronne Dwemer puisse être s'améliorer. C'est peut-être là où du coup j'ai pêché un petit peu niveau avantage. Mais bon, vu tous les avantages magiques qu'elle donne. Moi ce qu'il me faut c'est... Non, on a des engrenages d'Oemer, d'accord, mais moi c'est pas ça qu'il me faut, c'est des lingots d'Oemer. On va tout prendre. Et effectivement, je ne peux pas l'améliorer. Allez. Et en plus, on a même gagné un petit peu en poids sur nous. Bonne chose de fait, ça. Bon. Quête.
On va faire la folie incarnée. On va voir un petit peu ce que ça donne cette histoire. Il me fait harceler de messages. En fait, c'est des notifs, je crois. Ah ouais. Hier, je suis allé à la... Les impériaux font du bien au commerce. Mais ça va, et toi. Le commerce est me bon coupe pas la parole. Hier, je suis allé à la grande récré, j'ai acheté un truc, j'ai demandé, enfin, j'ai profité pour créer un compte. Ah bah, depuis hier, j'en suis à 3000 reçus déjà. Ça y est, là, maintenant, ils sont lâchés. Ils se sont dit, ah, ça y est, nouveau client, on va le harceler. En plus, c'est la période des fêtes. Voilà, voilà. Enfin, la période des fêtes. Quand je vous enregistre cet épisode, ainsi que les ceux précédemment, les quelques-uns précédemment, on est le 7 décembre. Donc, autant vous dire que c'est la période des fêtes. Mais il sortira sans doute bien plus tard. Peut-être fin janvier, je crois. Ou début ou mi-janvier, je sais plus. Bref, il sortira dans tous les cas, normalement courant janvier. Alors. Bonjour, Falk Barbe Braise. Merci de ne pas interrompre la cour. Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Merci de ne pas interrompre la cour. Votre éminence, ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans les environs. Pondragon est sous contrôle impérial. Il s'agit sûrement de superstitions ridicules. Peut-être qu'une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Genre, m'envoyez-moi. Oh, oui, bien sûr, vous avez Vous trouvez raison. Que moi, je suis quelqu'un de mesuré? Dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pondragon. Merci, Jarl Elissif. Mais au sujet de la grotte... Je suis pas venu pour ça, à la base, en plus. Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. Attendez, mais je suis pas venu pour ça, moi. Attends, il doit y avoir une autre quête active en même temps. Ah, d'accord, mais c'est dehors. Bah alors pourquoi faut que je parle à lui là? Je prends toujours le temps de discuter avec les guerriers. On va essayer de lui parler. Je suis le chambellan du Jarl. Pour les affaires liées à la cour, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Ah bah, j'ai entendu dire que vous cherchez de l'aide à propos de la grotte du crâne du loup. On va récupérer la quête. Vous parlez de l'affaire de Pondragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Oh le bâtard. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. Pourquoi appelle-t-on cet endroit la grotte du crâne loup? La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. D'accord. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. Bon, il faut que j'accède à l'aide Pélagus, en tout cas. Absolument pas. Cette aile est condamnée depuis des siècles, et pour une bonne raison. On dit que le fantôme de Pélagius, le démon, la hante toujours. Fantôme ou non, il subsiste des vestiges de son sombre règne, et ils doivent rester enfouis. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Donc lui refuse de m'aider. Par contre, au niveau de la quête, on va juste ne pas suivre celle qu'il m'a donnée, à savoir l'homme qui crie au loup. D'ailleurs, j'aime bien le nom de cet endroit, de cette quête, pardon. Porte bien son nom. Bah. Ah, d'accord, mais ça devait en fait se situer en dessous, à l'intérieur, pas à l'extérieur dans la cour. Ah oui, ok. Una et Erdi. On va parler à Una. Bonjour Una. Regardez où vous marchez. On vient de nettoyer. Il faut que j'accède à l'aide Pélagus. Mauvaise idée. C'est très dangereux. Falk n'apprécie déjà pas qu'Erdi et moi allons y faire les poussières une fois l'an.
Fag m'a demandé de venir vous voir, ce qu'il en était. Si vous y tenez. Ah, je mens. Mais prenez garde aux fantômes. Ah, c'est pas bien. Une fois, il s'est faufilé derrière moi et m'a terrorisé. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Si Hardy me surprenait à bavarder, j'en entendrais parler pendant des jours. Donc c'est bon, on peut avoir accès à l'aile Pelagius du coup. Enfin, l'aile Pelagius. Oui, l'aile Pelagius, c'est bien ça, c'est bien le nom. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre-là? Ok. Allez. Nous y sommes. Ah, parce qu'ils font les poussières une fois par an? Désolé, mais ça en un an, c'est pas possible. C'est festif, il y a quelque chose derrière. Alors que ça se trouve, on peut juste pas y accéder. Les torches sont quand même restées allumées pendant tout ce temps. On est dans un endroit qui est censé être hanté. Ils viennent une fois par an, on va falloir m'expliquer comment les bougies elles ont pu rester allumées pendant tout ce temps quoi. Ah mais ça je m'en souviens ça. Ça je m'en souviens. Avec le couloir et tout, avec les fenêtres. Il y avait un joli effet de lumière, déjà rien que dans la version de base du jeu, alors peut-être que là, s'ils ont augmenté le... Ouais, non, c'est resté similaire. Ah ! Encore du thé, Pelly ? Ah, non merci, j'ai trop mangé. Mais c'est là la quête avec Shogorath ? J'ai tant de choses à faire. Alors, je me doutais qu'il y avait un délai avec Shogorath, mais je pensais qu'il y avait un autre moyen d'y accéder. Opposants, fous, détracteurs... Tenez, c'est simple, mon bourreau ne dort plus depuis 3 jours. Vous êtes bien trop dur envers vous, mon cher, mon fou dangereux de Pelagius. Que feraient les gens sans vous? Ben, ils danseraient, chanteraient, souriraient, deviendraient vieux. Vous êtes le meilleur septime à avoir jamais régné. Bon, sauf ce Martin, mais c'est devenu un dieu dragon, alors bon, c'est de la triche. Vous savez, j'étais là pendant toute cette sordide histoire. Quel moment merveilleux! Des papillons, du sang, un renard, une tête tranchée. Et le fromage, à ce damné. J'adore chez Ogre. Oui, oui, comme vous dites. Un grand nombre de fois. Pouf! Très bien, si vous le prenez comme ça. Peut-être que je ferai bien de partir. Bonne journée à vous. Non, j'ai dit bonne journée. Oui, oui, partez. Laissez-moi mon fardeau à mes incessantes responsabilités. Et maintenant, c'est à moi que tu as parlé. Bonjour. Quel manque de tact! On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Attendez, où sommes-nous? Dans l'esprit de Pelagius, imbécile. Oh, c'est... votre première fois? J'adore comment il dit ça, votre première fois. À qui étiez-vous en train de parler? Vous autres mortels et votre curiosité suicidaire. Si vous voulez savoir, c'était Pelagius. Vous savez, le démon, l'empereur de Tamriel. Oh, il y a 400 ans, non? Même vous, vous avez certainement entendu parler du décret de Pelagius, non? Sur son lit de mort. Oh, quelle inspiration! Il a interdit la mort. Oui, la mort proscrite. Attendez. On va s'arrêter ici pour la suite parce que je viens de voir où on en est dans l'épisode et vu que je sais à peu près ce qui se passe derrière, si je me lance maintenant, l'épisode va durer 45 minutes. Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, je suis content de tomber dessus maintenant parce que je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il y avait une autre manière de rencontrer Shogorath. Et en fait, non, c'était vrai. C'est vrai que c'est avec l'histoire de la quête de Pelagius le Fou. Donc on va profiter de ce moment tous ensemble, mais à l'épisode suivant. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et ciao, c'était Looping. Bye bye.